Bonjour tout le monde, ici Pickup Officier pour un autre épisode de Super Mario Odyssey. On est à même endroit que la lune 8 pour la lune 9, au pays des mers. Donc avant que je meure d'albatros souffrance, noyé, je vais vous montrer où est-ce qu'on est. On est à peu près ici. On est ici. Okay? Donc, la 8 était dans le tuyau et la 9 aussi. En gros, c'est le seul tuyau qu'on n'a pas fait, je crois. On va aller là. Tant on a des sous à aller chercher. Ah non, je me suis trompé carrément. Les sous, il faut aller en haut. Oui, parce qu'on a libéré le chemin. Les sous mauves, c'est important. Je les ramasse. C'est pas juste pour l'esthétique. Si vous voulez toutes les étoiles et toutes les lunes, vous savez. Toadette a des lunes pour moi. En gros, si on a tous les sous bleus, Toadette nous donne... Non! Ok, j'ai mal fait ça, excusez-moi. Toadette nous donne des étoiles dans le monde de Super Mario 64. Un que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Comment qu'on fait pour... Je vais attendre vraiment la dernière minute de sauter ce bloc-là. Peut-être que j'ai fouillé ça vraiment intense. Peut-être. Oh non, je l'ai. Ok. Donc là, après ça, on va ici. Là, le but, c'est de ramasser la tortue. C'est ça. La tortue qui est là. Elle a pété le bloc. Il y a un bloc. Et l'étoile est cachée ici. Tout simplement, l'étoile numéro 9. Cache au dédale des profondeurs, ce qui nous donne une étoile de plus, n'est-ce pas? Et on peut sortir. Voilà. Donc, prochaine étoile, l'étoile numéro... la lune. J'allais pas dire étoile, parce que je t'ai expliqué que c'est des étoiles. Mais, prochaine lune, c'est le numéro 10. Donc, on se retrouve, prochain épisode, lune numéro 10. Merci d'avoir été là.